Eh bien bonjour à tous, c'est Lego Leader et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo construction de mock. Alors c'est parti tout de suite pour la première. Alors je voulais me remettre au mock, hein. Je me suis remis doucement avec 3 mini mocks, on va dire. Bon, il y en a une de taille un petit peu plus grande quand même, mais ce sera pas ma préférée forcément. J'aime beaucoup celle-ci. Alors c'est une mock Genosis. C'est la première fois que je fais une mock Genosis avec du Dark Orange. Avant on avait l'habitude de faire ça en Reddish Brown, mais bon, ça fait quand même 4-5 ans que la communauté Lego a switch, ouais un petit peu moins, 2-3 ans globalement à switch pour le Dark Orange, qui est quand même vachement plus représentatif. Alors c'est une petite moque, hein, de la scène de l'épisode 2 là, hein, que vous connaissez, avec Yadi Mundi et les clones d'atterrissage mouvementé, c'était l'épisode je crois. Donc voilà, j'en suis content, c'est pas une moque incroyable, y a pas des techniques folles, mais voilà, pour reprendre tout doucement les moques, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein, très longtemps, ça me fait du bien quoi de reprendre doucement avant de faire des plus gros projets. Elle est sympa sans plus, mais bon, les couleurs sont quand même clean. Donc voilà, on va passer tout de suite à la suivante. C'est une moque un petit peu plus large sur Hot. Alors bon, j'avais fait du freeform sur la précédente. Là, on va faire un truc un petit peu plus carré. Ça reste du freeform, hein, parce que c'est pas sur une baseplate. J'ai fait un petit contour là, assez sympa. Enfin, avec des tiles comme ça, je trouvais ça cool. Et après, directement, je mets donc directement des pièces donc, en blanche, hein, qui représentent donc la neige. Donc ça va être une moque de l'épisode 5, hein, plutôt. On va être avec l'Empire, vous verrez, il y aura des Snowtroopers. Donc j'hésite d'ailleurs à acheter le petit pack là, de Snowtroopers à 20€ avec les 3 Snowtroopers et l'autre minifique. Je pense que je vais acheter quand je trouverai pas trop cher en magasin, parce que c'est un petit set assez sympa, je trouve, pour les minifiques qu'il y a. Et la moto jet est assez sympa aussi du set, hein, vous avez l'image ici. Donc voilà, une petite moque un peu plus classique dans la forme carrée, mais très très sympa. J'aime beaucoup aussi le contraste entre le tan sur les côtés, la bordure là, et puis le blanc tout simplement ici. Donc voilà, rien d'incroyable sur cette moque de rebelle de Snowtrooper, mais pareil, hein, d'autres techniques de construction que j'ai utilisées pour me remettre un petit peu dans le bain et reconstruire. J'ai pas mal de nouvelles pièces en ce moment. En plus, j'ai découvert, on va dire, entre guillemets, que j'avais un Lego Store pas si loin que chez moi, que ça de chez moi, et du coup j'y vais pas mal pour acheter des pièces. Et là j'avais acheté un petit peu de tile blanche, il m'en reste beaucoup plus que ça en plus, mais voilà, c'est pas mal de nouvelles pièces pour construire. Et ici une moque, bon, un peu moins intéressante sur la planète, c'est du Naboo, hein, vous verrez, il y a des droïdes, Jar Jar Binks et quelques Gungan, mais ça c'était pour me réentraîner, on va dire, aux montagnes, et puis c'est aussi parce que j'avais des nouvelles plantes, hein, que je voulais implémenter ici. Donc voilà, la montagne avec les techniques un petit peu de tout, des techniques de snod, des techniques juste d'empilage de briques classiques. Mais voilà, essayer de faire un truc détaillé qui soit sympa. C'est pas la meilleure montagne que j'ai faite de ma vie, mais pour la reprise, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est là-dessus que j'ai passé le plus de temps clairement. J'ai bien eu aussi le petit chemin, vous allez voir, en nougat là, où en fait tout simplement les droïdes ont déjà marché. On va vite se rendre compte après là quand je vais commencer à mettre un petit peu de plantes. Voilà. Et ça c'est une belle couleur aussi, le olive green, je trouve, pour les plantes. J'en ai eu vraiment beaucoup, enfin pas mal, dans les précédents Lego Store. On peut le voir, hein, d'ailleurs, les pièces derrière là que j'ai dans mes casiers. Mais voilà, moque pas incroyable, c'était plus pour faire de la montagne et utiliser mes plantes, on va dire. Du coup, là, sur une baseplate, donc ça change des autres. Donc voilà, en tout cas pour ces 3 petites moques. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Et puis évidemment, des plus grosses moques plus intéressantes arrivent bientôt. Mais voilà, c'était sympa, je trouve, de faire ça pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à bientôt.